Les vins Kouevri, donc, ils sont élevés en amphore. Là, notre carte visite, Khachapuri, galette au fromage. Ah, la carte visite. Ah, j'adore le ravioli Kigali. Et là, c'est une espèce de ragoût de viande avec plein d'épices georgiennes. C'est du veau. T'as vu comment c'est confit? Aujourd'hui, on est à Paris, dans le 19e arrondissement. On va manger chez Magda. Elle avait un petit stand à la retourne de Stalingrad. Ouais. Espèce de petit baraquement où elle cuisinait cette cuisine dingue, mais dans un cadre bof. Et elle rêvait d'avoir son restaurant et ça y est, c'est fait. Très bien. C'est beau, c'est beau. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? Il y a quelque chose de très important ici. On est dans un restaurant géorgien. La Géorgie, c'est le berceau du vin. J'ai ramené frais. Ça se voit frais. Ok, super. Parce que c'est un vin blanc, mais les différentes couleurs parce qu'il est préparé dans ce jarre argile. La jarre en argile, donc cette élaboration traditionnelle du vin typiquement géorgienne, qui est classée d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est des amphores comme ça en argile qui sont coniques, mais qui peuvent être énormes. Et c'est là-dedans qu'on vinifie le vin depuis 8000 ans en Géorgie. Alors ici, il y a vin blanc, vin rouge, mais il y a aussi le vin orange. Vin orange. Vin orange. Mon préféré, c'est 300. Les vins Kouevri, donc, ils sont élevés en amphore. Tu vois, le petit Kouevri, il est là. La petite amphore, elle veut nous faire déguster. Moi, j'ouvre même pour n'importe où, même pour un verre. Je saurais trop vous conseiller, les amis, si vous venez ici, de goûter le vin georgien. Vous pouvez pas. Alors après. C'est en plus, c'est quelque chose, c'est différent. Celui-là et ça aussi, c'est très bon. Et ça, c'est orange ou c'est blanc? Non, c'est orange. Ça, c'est le nez, il est quelque chose. Et ça, c'est le mouton. Ouais. Merci. J'aime bien qu'il y a une quantité énorme pour faire les bons choix. Une belle carte des vins, quoi. Voilà. Regarde la couleur. On a choisi, alors comment je vais pouvoir lire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est Kouevri. Les champignons. C'est champignons farcis, on va commencer petit à petit. Ah ouais. Alors regarde-moi ça, comme c'est bon. Oula, mince. C'est des champignons sauteurs. C'est des champignons farcis. Alors en Géorgie, il y a beaucoup de fromage aussi. Les champignons sont dingues. Alors, c'est notre pâte maison. Pas maison. Ah, j'adore le ravioli Kigali. Quand je vois ça, ça me fait penser un peu au ravioli asiatique. Je ne sais pas qui était premier. Je sais que le Géorgie, c'est un passage entre Europe et Asie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cultures qui mélangent. Ça, c'est traditionnel du montagne. C'est le Kigali, c'est le plat emblématique de la Géorgie. C'est le même que le mien, quoi? Oui, c'est le même que le tien. C'est juste la fleur. On n'a pas la même fleur. Il y a des influences, il y a des choses qui naissent à un endroit et après ça voyage, les recettes voyagent, les hommes voyagent, les savoir-faire voyagent. Et il y a aussi ce qu'on appelle les parallélismes, c'est-à-dire que les hommes ont découvert à deux endroits différents du monde des choses semblables. Et alors là où tu sais que tu n'es pas du tout en Asie, c'est que c'est servi avec une espèce de crème. En Asie, il n'y a pas de crème comme ça. Ah, vous nous faites goûter? Ouais. Génial. Ça, c'est la citronnade avec gingembre et citron. Citronnade à l'estragon et citronnade à la menthe. Ça, c'est typique de la Géorgie. Hein. Typique de la Géorgie. Ouais. Et vraiment, si vous venez là le midi, vous buvez ça. Si vous venez le soir, vous buvez le vin. Bon, les gens font bien ce qu'ils veulent. Ça arrive le plat, c'est veau mijoté dans sauce tomate, les épices. C'est vraiment très bon. Là, notre carte visite, khachapuri, galette au fromage. Ah, la carte de visite. Ah, ben, c'est des grosses cartes de visite. J'imaginais et j'ai commencé. Tous les plats, c'est mon caractère. Et là, c'est une espèce de ragoût de viande, comme elle a dit, avec plein d'épices georgiennes, etc. Et là, c'est du veau. Il y a beaucoup d'herbes. Et je vais goûter. T'en as pas pris beaucoup, hein? Non, mais je vais en reprendre, ah, tranquille. Bon, je déteste remplir mon assiette. T'as vu comment c'est confit? Ouais. Et donc, khachapuri, c'est le pain georgien. Dans la région de Magda, on met du fromage à l'intérieur. Il y a une autre région vers la mer Noire où, en fait, c'est un long pain avec un œil au milieu qui s'ouvre et on voit le fromage. Mais il y a aussi le khachapuri, vient d'apprendre des montagnes avec de la viande. Le khachapuri du carême avec des haricots. Et donc voilà, c'est formidable. Et ça, c'est vraiment, elle a dit, elle est connue pour ça. Même fois, avec mon petit vélo, je me suis arrêtée dans le baraquement qu'elle avait à côté pour acheter des khachapuri et hop, partir avec. C'est vraiment comme t'achètes un pain au chocolat en France, tu vois, t'achètes un khachapuri. C'est soupe à la base, oseille, épinards, poireaux, crème et les épices georgiens. Je sais que c'est un peu beaucoup, mais non, on doit un peu goûter. On n'a pas du tout pris comme les gens prennent d'habitude. Mais non, on fait n'importe quoi, donc c'est bien connu. Mais voilà, il faut goûter. C'est pour vous montrer, c'est pour la bonne cause. On s'est très bien goûté, quoi, là. Ça, c'est café glacé, j'adore café glacé. Ça, c'est citronnat, gingembre naturel, fait maison. Oui. De la menthe, sirop, fait maison. Ah bon? Mais tout, c'est fait maison chez moi. Ah, d'accord. Même quand je fais mojito, j'ai fait avec mon sirop. C'est vrai? Waouh! Bah, les amis, est-ce qu'on peut juste venir boire un cocktail? Mais oui! Ah oui, on peut aussi. C'est bar aussi. Non, restaurant bar. Restaurant bar. On grignote, bar. On prend le khachapuri. Exactement. Et en dessert, après un petit cocktail. Les 14 plats, le gazpacho, les machins. On prend un petit cocktail en dessert. On prend un petit cocktail en dessert. Café, citron, tout ça c'est fait maison, elle fait même son sirop de menthe. Alors le truc, je prends citron parce que ceux qui me suivent savent que je n'aime pas le café.